Cette vidéo concerne Marie-Amélie de Bourbon-Sicile. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Marie-Amélie de Bourbon, princesse de Naples et de Sicile, est une titre princesse royaume des deux Siciles sicilienne née à Caserte, royaume de Naples. Naples le date 26 avril 1782 est morte à Claremont House, Claremont, royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, royaume uni le date 24 mars 1866. Issue de la maison de Bourbon-Sicile, branche des Bourbons de Sicile, la princesse Marie-Amélie est membre de la branche aînée des Bourbons. Elle devient, en se mariant en 1809, au premier prince du sang Louis-Philippe qui est Louis-Philippe d'Orléans, un membre de la branche cadette. D'abord liste des reines duchesses et comtesse consort d'Orléans. Duchesse d'Orléans, elle devient la seconde liste des reines et impératrice de France, reine des Français quand son époux accède aux couronnes de France, trône des Français en 1830 sous le nom de Louis-Philippe est. Biographie famille. Maria Amalia di Bourbon est la sixième fille du roi Ferdinand I des deux Siciles. Ferdinand I des deux Siciles 1751-1825 et de la reine Marie Caroline d'Autriche. Marie Caroline 1750-1814, elle-même aînée de la reine de France Marie-Antoinette d'Autriche. Marie-Antoinette. Marie-Amélie est donc la nièce par alliance de Louis XVI, la cousine de ses enfants Louis-Philippe et Marie-Thérèse de France 1778-1851, Madame Royale, mais aussi la tante de l'impératrice des Français Marie-Louise d'Autriche, Marie-Louise, ainsi que de la Caroline de Bourbon des deux Siciles, duchesse de Berry. Mariage et descendance. Fichier Cola of Arm of Marie Amélie Princess of Naples en Sicily as Duchesse of Orléans Princess of Blood Plef Tube Blason de la Duchesse d'Orléans le 25 novembre 1809 à Palerme. Elle épouse Louis-Philippe et Louis-Philippe d'Orléans 1773-1856 devant liste des comtes et ducs de Chartres, duc de C.